Hey, youyou mes chatons, bon mardi 13 août, pardon. Nous sommes mardi 13 août, il est exactement, je ne sais pas, attendez, je vais vous dire ça. Hop là, 10h20, voilà mes chatons, nous sommes douchés, hop, habillés. J'ai mis quand même des petites manches parce qu'il fait pas très chaud et j'ouvre le vlog numéro 276. Et oui, déjà 276. Allez, on y va, c'est parti. Donc déjà mardi 13 août, 10h20. Il fait un temps, un coup il fait soleil, un coup il fait gris, un coup il fait soleil, un coup il fait gris. Comme vous pouvez voir, voilà mes chatons. Mais il fait lourd hein, quand même, il fait lourd. Heureusement, on a un petit vent frais comme hier qui nous rend supportable la lourdeur. Mon Kidou sort de la salle de bain, il est en train de s'habiller. Voilà, moi j'ai crémé un peu quand même mes bras et ici le haut du torse. Parce que même si le soleil est voilé, il mord. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite un bon mardi 13 août. J'ai eu des nouvelles de ma petite criotine, elle va très bien, elle va très bien. Ma sœurette m'a envoyé des vidéos, je vais vous montrer ça. Ah, ma petite poupée d'amour. Tata s'occupe très bien de ma fifi. Hop là. Attendez. Voilà ma petite. Oup là. Oh bah mince, attendez, voilà ma fille, elle va très bien. C'est ma petite louloute, oh là 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 là, elle met des doudous hein. Ma petite chérie d'amour, voilà, vous avez des nouvelles, ça c'était, eh ben, fin de semaine dernière, hop là dans le trou. Trop choupie, donc elle va très bien. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tranquille. On a visité tous les alentours de Saint-Nazaire sur la carte, voilà mes chatons. Donc à suivre, là ça va être tranquille toute la journée et puis les jours à venir. On verra, ce sera au bon vouloir de ce qu'on a envie de faire. Allez, à tout à l'heure. Nous allons aller au bord de plage, juste en bas de l'immeuble. On ne l'a jamais vu, marée totalement haute. C'est parti. Elle commence à descendre déjà. Bah oui, il est 10h30. Vous voyez, c'est voilé. Hein, bah, il ne fait pas moche. Quoique là-bas, ça se couvre quand même pas mal. Hein. Regardez les effets de lumière dans le ciel, c'est magnifique. Ça sent la pluie, ça sent la pluie. Le vent est frais. Hein. Là-bas, je pense qu'il pleut. Nous sommes restés tranquillement sur un banc, on a marché un tout petit peu et puis ma foi, nous voulons rentrer, il est midi. Je vais me poser un petit coup mon dos et puis voir ce qu'on mange ensuite. On va manger à la maison. Il y a eu un petit peu de soleil, bon, ça fait éclairci, gris, éclairci, gris. Le vent est frais malgré tout. On va pas se plaindre, on n'a pas 38 comme à 3. Moi, mes chatons, je devais faire des escalopes de poulet à la crème. Et ben, elles sont bonnes encore deux jours et... elle pue. Donc, bah, j'ai fait une photo de la date, du paquet de 3 escalopes de poulet et je vais écrire au drive de Saint-Nazaire. Sinon, eh ben, on mange, du coup, on finit les côtes de porc, voilà. J'ai mis de la crème avec des petits pois et mon Kidou, il mange les flageolets à la tomate avec sa côte de porc, un pamplemousse, un yaourt et moi, un kiwi. Et après, je m'occuperai du drive de Leclerc Saint-Nazaire.
14h30, nous allons tranquillement nous asseoir à la plage, mes chatons, parce qu'il fait le même temps que ce matin. Un coup il fait beau, un coup il fait gris, donc voilà. Tranquillement, on prend nos petites chaises, de quoi boire, de quoi grignoter, et puis voilà, on mettra peut-être les pieds dans l'eau, pourquoi pas. Mes chatons, il est 18h, nous revenons de la plage, il y avait quoi? Allez, on était une vingtaine de familles, voilà, tout simple. Moi j'ai mis les pieds, mes jambes dans l'eau jusqu'à mi-cuisse. Et puis voilà, moi, elle n'est pas très chaude. Hein. Puis c'est marée basse, là, de toute façon. Et puis sinon, bah, tranquille, on s'est mis sur nos petites chaises, au soleil. Il y a pas mal de vent, donc on sent pas trop la chaleur. Bah, c'est très supportable aujourd'hui. Hein. On n'est pas à 34. Non, il fait combien à peu près, mon kidou? 28? Ouais, 28 degrés à peu près. Allez, c'est bon. On court à la douche et on mangera tranquillement. Tout à l'heure. Alors, je vais pas monter ce vlog parce qu'il n'y a pas grand-chose. On a fait plage. On verra ça demain. Allez, c'est parti. Pour nous, on va à la douche. 19h30. Eh bien, on va manger. Bon, on va finir. On a du petit rôti de porc. On a du taboulé d'ouvert, des carottes râpées, etc. Un yaourt, un fruit, un peu de chips, et puis ce sera fait. On mange à la bonne franquette. Bon appétit! Bon mercredi 14 août, il est exactement, mais je ne sais pas, quelle heure est-il donc? 10h30. Et ben le soleil se lève, parce qu'il faisait gris et moche quand on s'est levé à 9h. Mon Dieu, mon Dieu! Je sors de la douche, voilà, je suis prête. Et puis nous partons du côté de Noirmoutier. Il y a un collègue à Monkidou, un copain à Monkidou qui est à quoi 70 km de nous. Donc on va voir s'il est là, et puis sinon s'il n'est pas là, on va se promener dans le coin. Vous connaissez déjà. Voilà, et puis on va profiter du beau temps. Il va faire dans les 24-26 degrés et éclaircies et nuages. Ça, c'est l'idéal. Allez, je vous souhaite une bonne matinée en ce mercredi. J'ai dit 14 août ? Ouais, ça doit être ça. Bisous mes chatons. Nous allons donc vers Saint-Jean-de-Mont et nous irons voir les marais salants. De plus près que la dernière fois. Ça, c'est sympa. Nous sommes à 25 km de notre point d'arrivée et nous sommes dans les bouchons. Bah oui. Direction Noirmoutier, il y a toujours des bouchons. Mais c'est pas grave, il fait beau. On prend notre mal en patience. Il est exactement 11h40. Nous sommes bientôt arrivés. Nous allons où ? Saint-Jean-de-Mont. Nous allons à Saint-Jean-de-Mont. Et non, mais vous n'allez pas me croire. Si ? Si, c'est vrai. Une cigogne dans les champs. C'est la deuxième que je vois. Franchement, une cigogne dans les champs. Non, mais de toute façon, j'avais entendu les informations qu'il n'était pas qu'en Alsace, hein, les cigognes. Et là, je vous jure, une cigogne dans les champs. J'aurais dû la filmer, mais trop tard. Et voilà, nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Mont. Ça m'a l'air bien mignon comme tout. On vous emmène. Nous allons direction les plages de Saint-Jean-de-Mont. Ça nous balade. Arrivons au bord de plage. Saint-Jean-de-Mont, c'est vraiment super mignon. Le nouveau cirque Grand de Cirque installé à Saint-Jean-de-Mont, parking du magasin Intermarché. Le spectacle a lieu à 20h30. Cher que Saint-Nazaire et c'est 10 000 fois mieux encore. Ça, c'est de la plage.
aussi, dis donc. Hein? Ah, ils ont de la vague ici, non? Les plages sont chic, gigantesques. Regardez ça. La mer, c'est magnifique. Il y a une petite tempête de sable. Le bruit que vous entendez, c'est la roue, hein, la grande roue qui est à côté de nous. N'hésitez pas, vraiment, c'est superbe Saint-Jean-de-Mont. Waouh! C'est super. Les plages sont d'une beauté. Ça qui fait du beau. Eh bien, mes chatons, nous quittons Saint-Jean-de-Mont. Ça nous a fait une bonne petite trotte là, le long du parc. Une araignée. Quelle horreur. Voilà. Le soleil s'est caché un petit peu, mais il va revenir. Ça fait des bonnes balades en vélo aussi. Et là, nous partons chez nos potes. Dans 600 mètres. Leur faire un coucou. Qui était à côté de. D'où on partait en vacances, on est à 100 km les uns des autres. Donc, c'était dit, on viendra se faire un petit coucou. Et c'est ce qu'on va faire avec grand plaisir. Franchement, il y a de quoi se garer. Les vélos traversent une petite forêt. Là, c'est vraiment sympatoche. Et au bout, vous arrivez au bord de mer que je vous ai montré. C'est magnifique. C'est vraiment bien ombragé, regardez. Il y a des belles maisons. Tout le long, vous pouvez faire du vélo. Franchement, c'est magnifique. J'arrête pas de le dire, mais c'est magnifique. Voilà, puis de chaque côté, il y a beaucoup d'EHPAD. EHPAD de la Forêt, EHPAD Guérin. Établissement hospitalier spécialisé pour les personnes âgées dépendantes. Au moins, elles sont bien là. C'est trop bien où ils sont, c'est carrément au bord de mer. Regardez. La mer est là. Avec plein de locations. Et en plus, c'est dans. Alors on est passé devant, hein, mais c'est dans une petite maison, il y a de quoi se garer, il y a un jardin. Franchement, c'est génial. La mer est là, superbe. Franchement, ils sont vraiment bien. Ah, on ne connaissait pas. On verra pour plus tard. Pourquoi pas. Regardez-moi toutes ces locations. Mes chatons, 15h20, nous quittons nos amis, voilà, nos potes de Troyes. C'est trop marrant de se retrouver là, en plein bord de mer, c'est trop sympa. Et puis, nous avons repris la voiture, 15h20. Je ne sais pas où qu'on va. Direction
Donc on va pour qui d'où? Saint-Jean-de-Mont au centre-ville. Saint-Jean-de-Mont au centre-ville, tranquillement, d'où on vient. Et puis on va passer l'après-midi là-bas. Il fait super bon. Je suis sûre qu'il fait 30 degrés. Nous voilà de nouveau à Saint-Jean-de-Mont. Vous allez reconnaître la grande roue. Et on a mis une demi-heure pour trouver une place. Et c'est fait. Ouf. Allez, on est tranquille. Nous sommes au Pignon-sur-Mer. On va manger ce qu'on n'a pas mangé à midi. Café liégeois, brocantine. Ah non, moi c'est une nostalgie. Regardez-moi ça. Le sable se soulève. Tellement il est fin. C'est quand même une belle plage. Les plages de Saint-Jean-de-Mont, il est 17h10 et on va passer un petit coup en voiture voir ce que ça donne au niveau centre-ville. Si c'est sympa, et ben on s'arrêtera un petit coup, marchera et voilà, si c'est assez piétonnier. Donc on vous dit à tout à l'heure. Nous voilà enfin rentrés, il est plus de 19h, on était dans les bouchons, donc on a fait 100 km aller, 100 km retour. Voilà, c'était trop bien, on a vu des belles plages. Voilà mes chatons. Et ben, je vais clôturer ce vlog là qui est bien sympathique. J'ai adoré voir ces belles plages en Vendée parce qu'en fait on est descendu au début de la Vendée. Et puis ben, moi je vous fais de gros bisous en espérant que ce petit vlog vous aura aéré l'esprit, aéré vos pensées, fait voyager un petit peu. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas si vous voulez me faire plaisir à laisser un petit commentaire et puis pourquoi pas cliquer sur s'abonner, la petite cloche du haut pour ne pas rater la fin de nos aventures. Il nous reste encore 2 jours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous mes chatons.